Hello tout le monde, c'est Fluto. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de ce Let's Play sur Infamous 2. J'espère que vous allez bien. Alors la dernière fois, nous avions augmenté un petit peu les pouvoirs de Cole en faisant des petites recherches de fragments et en tapant des méchants. Des méchants plus méchants que moi, non, ça m'étonnerait hein, quand même. C'est pas des vrais méchants ça, c'est des petits joueurs à côté de moi. Mais on a quand même réussi à améliorer un petit peu nos pouvoirs et du coup on doit aller voir Bertrand qui se trouve mission là-bas. Oui, voilà, Bertrand sur le devant de la scène, donc un big boss on va dire, mais on verra ça plus tard. On va d'abord faire la mission secondaire, les deux je sais pas, mais on va en faire bon, on va commencer par ça quand même. On va déjà faire une et ensuite. C'est qui là qui fait de l'harmonica? Voilà. Artiste de rue, on les tue, évidemment. Et on va aller faire la mission secondaire qui est là-bas. Y'a des gens là-haut? Ouais. Bon. C'est pas. Ah! Attendez, y'a un pigeon. Les pigeons, on déconne pas avec ça. Faut les ramasser, c'est des choses importantes. Enfin, les ramasser, les tuer et ramasser leur batte morte. Non, mais non, je sens que j'ai galéré à récupérer ce pigeon. Sans déconner, je peux même pas le récupérer en fait. T'es sérieux? Non. Ah, ouais, mais vu qu'il est là, je peux pas le récupérer. Ok. C'est pas grave. Là, si je te bouge, tu ramasses ta gueule ou par terre, c'est bon. Voilà. Surveillance audio des agents John White et Lucie Cour, dossier D134. Désolé pour le silence radio. John, qu'est-ce qui se passe là-bas? Dites à Wolf que son invention connaît un grand succès. La métasphère. Kessler l'a envoyé par coursier à quelqu'un du laboratoire, mais il a dû activer la minuterie. Bon sang. Ça a fait comme une bombe. 5-6 pâtés de maison ont été réduits en cendres. Des cadavres partout. Et il y avait ce gamin en plein centre du cratère. Il était là. Un porteur. Oh oui. Et puissant. Je crois pas aux coïncidences. Il doit être lié à Kessler d'une façon ou d'une autre. Je suis d'accord. Il est sûrement digne d'intérêt. Je le surveille. Autre chose, beaucoup d'autres porteurs émergent, bien plus que ce que Wolf avait prédit. La ville en est pleine. Ok. Ok, ok, ok. Bon. Coucou. Les sales fascistes déchargent du ravitaillement. Vous devriez les aider, vous me suivez? C'est moi, il a dit un truc complètement différent de... du sous-titre. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais... pourquoi pas. Ok. Alors, les lance-roquettes, sans déconner, je suis pas fan. Faut arrêter. Les lance-roquettes, c'est pas bien. Non, mais non. Bon, tu veux des grenades? Ça fait du bien de se recharger. Bah, t'es pas mort toi? Là, il est mort. Ok, ça balance des lance-roquettes.
Bon, y'a plus personne. Bah, ils ont l'air d'être morts. Toi pour la peine. C'est ça aussi, non? 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 Une caisse. Une caisse qu'il faut. Y'a plus de caisse? Ça doit être ça alors, je sais pas. Ouais. Bon, bah c'était rapide. Ce fut rapide. C'est pas grave. Honnêtement, c'est pas grave, on a fait notre mission, donc c'est pas grave. Bon, allez, on va faire la deuxième. On enchaîne sur la deuxième et puis on va faire la mission principale. Tuk 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 tuk. Mais bougez. C'est quoi votre problème? Un fragment. On va les récupérer. C'est sur le chemin, la route, ouais. Alors, faut juste faire un petit détour, mais. Mais voilà quoi. Rien de bien méchant. Coucou. Piège à touriste. Hey, j'ai bidouillé un appareil photo qui grille pas quand tu le touches. J'espérais que tu me rapportes des infos intéressantes. Je compte sur toi. J'ai vu du matos électrique en ville qu'on n'avait même pas à Empire City. Ça pourrait être utile. Essaie de faire quelques photos. D'accord. Faut prendre des photos. Ok. La milice se livre à des vols à main armée sur les gens. Suis-la et obtiens des preuves avant de les arrêter. Pas ça. Non. Ça c'est juste des mecs lambda. Ok, c'est là-bas. On va y aller les voir. Bon, si on doit faire des photos. Pourquoi pas. Ça me rappelle un petit peu le jeu Spider-Man 2 sur PS2. Où je devais prendre des photos aussi des fois. Franchement, ce jeu était... mauvaise idée. Mauvaise idée. C'était pas une bonne idée, honnêtement. Puis c'est même pas eux que je dois prendre en photo. Oh, c'est bon, je me barre moi. Allez, ah. Allez, on se casse, on se casse. Sans déconner, ils bougent même pas les mecs. Ouais, 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 ouais. Ne me suivez pas, les mecs, hein. Ah, vous savez quoi? Ils vont plus me suivre longtemps. Voilà. Ouais, peut-être. Je me rappelais plus qu'on avait des photos à faire. Bon. Pourquoi pas. Bon, bref, on va aller faire la mission principale du coup. On va ramasser quand même les petits trucs. Bon, les mecs, je les laisse hein, parce que là, ils sont un peu chiants. Ils sont un peu nombreux aussi. Allez, hop. Il y en avait un en face. Ah, on a augmenté notre jauge. On va quand même ramasser lui là-bas. Allez, on s'en occupe pas. Faire notre petite mission. C'est joli ici quand même. C'est joli. Bon.
Un artiste de rue. Attendez, faut le tuer lui. C'est toi l'artiste de rue? Non mais... gros sniper. Franchement, gros sniper. Un pigeon. C'est quoi cette musique de ouf? Par là, je peux monter? Oui, je peux monter. On va y prendre le pigeon. Non mais les mecs, je les tue pas, hein, c'est mort. Hein. Ils sont nombreux et tout, ils me cassent les couilles. Je fuis lâchement. Oh, il y a du fragment ici. On va aller récupérer celui qui est là-bas. Oh, cet endroit me rappelle... me rappelle quelque chose. Ah oui, vous verrez. Un jour. Vous vous souviendrez de... ce moment dans l'épisode 3 où je dis que ça rappelle quelque chose. Allez hop, on récupère ça et on va aller récupérer le pigeon et la mission. Le pigeon. Si je le vois aussi. Monsieur aveugle. Ah. J'ai peut-être trouvé un moyen de limiter et voire même de supprimer complètement les pertes humaines par radiation de la métasphère. Voici la réaction de Bertrand. Extrait de la surveillance audio de Joseph Bertrand, dossier A075. Je n'ai pas rejoint les premiers fils dans le but d'améliorer l'humanité. Je l'ai fait parce que je voulais des pouvoirs. Dieu m'a créé pour une bonne raison. Je dois m'améliorer et utiliser mon pouvoir en son. Et puis, j'en ai assez d'attendre. J'ai déjà rassemblé les prisonniers, la métasphère. Tout est déjà en place. Ce soir, il sera temps pour moi de devenir l'épée de Dieu. Je dois y aller. La voiture m'attend. Ok. Bon. On avait quand même une très jolie vue. Du coup... la mission. Zek, je suis en position pour le rassemblement, mais je vais rester discret jusqu'à ce que Bertrand entre en scène. Rendez-vous à l'intérieur. On reste discret. Ok. Mes amis, ce soir... nous devons faire face à trois menaces que cette île n'ait jamais connue. Le diable! Pardon. Cole, Macras, l'homme électrique, est ici, à New Marais. Vous allez payer pour vos actes. Je sais, je sais. Ouais! Allez, Bertrand! J'ai loupé quoi? En gros, Bertrand raconte à tout le monde que t'es le diable. Oh! Cool. Nos ancêtres, tués, massacrés, en défendant cette ville. Quand l'histoire leur a demandé de lutter contre l'ennemi, est-ce qu'ils ont fui? Non, ils ont lutté jusqu'au dernier. Tirons-nous d'ici, on trouvera un autre oh, plan. Oh, 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 oh. Hey, on doit agir maintenant, vieux. Sinon, il va tuer Wolf. On doit rester là, Zek. Hé, hey, mec. Je te laisse pas tomber. Mes hommes, ces jeunes soldats, sont les gardiens de cette ville. Ils sont le seul rempart entre vous et ces monstres. Et Dieu m'en est témoin. Nous les traquerons. Et nous les détruirons tous! Des monstres, là-haut! Vous savez quoi faire?
angoissé. Le diable arrive. Ok. Des monstres. Tout à fait normal. Ok. Alors, faut pas... Voilà. Petit combo, c'est sympa. Ah, mais franchement, j'adore cette arme de mêlée. Ah, franchement, c'est cool. Avec ce petit ralenti, là, en mode Matrix. Mais cache-toi pas derrière la plante! Mais non! Coco! Voilà. Bertrand va vers sa limousine, tu peux encore la voir! Oh, je me rappelle, c'était chaud ça. Enfin, c'était chaud. Faut suivre le bon chemin, faut pas perdre de temps. Ce sera pour une autre fois, ma grâce! Oui, allez, allez, allez. Traîne pas. C'est vrai qu'on a un chemin plus ou moins prédéfini. Mais faut faire gaffe quand même, quoi. Waouh, 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 ouais, alors les mecs, non, là, ah, voilà. Tant qu'on ait une discussion. J'ai rien à te dire. Monstre. Faut pas ça. Tu vas m'emmener à Wolf. Allez. Attends. Si j'étais toi, je m'inquiéterais plutôt pour ma tête. Holy shit. Ouais. Je veux bien détruire l'hélicoptère, moi. C'est quand même ta ville, mec. On va monter. Vous savez quoi? Mais il est où? Hélico? C'est la merde. Non, ça pète. Les grenades, ça va servir à rien. Allez. On se recharge. On va... On éclaire Alpha. Allez. Ah, comment ça peut affaiblir. Allez, tu peux. Cole, tu peux l'avoir. Allez. Elle est drôlement résistant pour l'hélicoptère, hein. Allez. Ouais. Allez,
Ok, on a fini. Mon karma ne change pas, d'accord. Merde, vieux. On dirait que Kuo a oublié de nous dire que cette ville était dirigée par des espèces de crocodiles mutants consanguins débiles. J'avoue. Ah, tu m'étonnes. C'est plutôt cool, hein. Carrément. Ça me ferait presque oublier que la milice est là. Hé, attends. Il y a encore plus fort. J'ai peut-être retrouvé la trace de Wolf. J'ai entendu des gars parler d'un appareil bizarre qu'ils ont retrouvé du côté de Gaffney Street. Super. Je vais aller voir ça. Les villes côtières du nord-est du pays ont reçu l'ordre d'évacuer, car la menace non identifiée venue d'Empire City progresse toujours vers le sud, le long de la côte. Le mystérieux phénomène frappe ville après ville depuis le début des événements, semant la destruction sur son passage. À en juger par sa progression, la menace pourrait s'abattre sur la capitale pendant le week-end. Mais le président Navarro refuse de s'avancer sur cette possibilité. La ville de Washington est en alerte rouge et plus de 5000 gardes nationaux ont été dépêchés sur place, prêts à apporter une aide d'urgence ou, s'il le faut, un soutien militaire. Ok. Bon. On va. Oui, il y a pas mal de missions secondaires. On va aller faire la mission principale. Et pour les missions secondaires, l'acolyte. Alerte à la bombe. Ouais. Mission secondaire est pas loin. Hein. C'est vrai qu'elle pourrait être pas mal. On a combien? On a 22 minutes. 22 minutes. On va aller faire la mission principale et puis on va s'arrêter là, je pense. Dites-moi si vous voulez que je fasse l'émission secondaire en vidéo ou pas. Mais vous mettez tous un commentaire en disant oui je veux ou non je veux pas. J'aimerais savoir en fait. Parce que j'ai pas envie non plus de faire Enfin, je veux que ça soit intéressant, quoi, les épisodes. Et si je fais que du secondaire, bon, c'est un peu chiant. Et si je fais que de la principale, bon, j'aimerais bien quand même faire de la secondaire. Au pire, ça, c'est pas grave, je le ferai en off, quoi, mais... Il y a des missions secondaires qui sont plus ou moins intéressantes, donc... Donc dites-le moi, au pire, je le ferai en vidéo. Je pourrais faire un épisode dessus, c'est vrai. Pourquoi pas. À voir. Là j'ai quand même un petit peu envie d'avancer dans... Oula putain, mais où est-ce que je me suis aventuré, moi? Dans la principale. Allez. J'ai trouvé quelque chose dans un mur. C'est peut-être rien, mais on n'est jamais trop prudent dans cette ville. T'as trouvé un truc dans un mur? Ok. C'était une bombe. Ah, un fragment. J'aurais dû le désavancer. On dirait que quelqu'un fabrique des bombes avec des fragments. Ça en ferait plus pour ta collection, hein? Quoi, c'est ça la mission principale? C'est juste ça? Fil rouge puis fil bleu. Regarde ça, de l'autre côté de la rue! Ces fragments vont être faciles à récupérer. Il y a plein d'autres fragments, Cole. C'est pas la peine de brutaliser ces gens. Opportunité de mauvais karma. On vole, forcément. Hé ! Le mec, il m'empêche de faire mon truc, là ? T'as un problème ?
Bande de fous. Hé, hey, Cole. J'ai repris contact avec des relations, mais ce que j'ai trouvé de mieux sur Wolf, c'est l'interrogateur de Bertrand. En ce moment, il est en train de gagner gros au Blackjack, mais il devrait rejoindre Wolf plus tard. Je l'aurais bien pris en filature, mais il vient de me draguer au bar. Envoie les coordonnées du casino. Je peux suivre ce type depuis les toits. Il me verra pas. Les gens regardent pas en l'air. Ah, bonne idée. Touk touk touk. Donc, on a une mission qui est là-bas. Track de Wolf. Ouais, bon, écoutez, on fera ça la prochaine fois. On est à combien? On est à 26-28. Ouais. Et on est où? On est là. Allez, on va faire un petit secondaire et on va arrêter là, je pense. On aura fait deux principales. Et une secondaire, donc on va faire une autre secondaire. Allez, on va faire une autre secondaire. Et comme ça, on aura fait 2-2. Je suis méchant. La plus proche, elle est là-bas. Allez, on fait ça et ensuite on sera bien. C'est très sombre ici. Faut allumer, hein. On voit pas beaucoup. C'est vrai que j'ai des pouvoirs électriques, quoi, mais bon. Quand même, quoi. Ah, attendez, y'a un mec avec un fragment. Eh, hey, franchement. Tu croyais aller où, là, comme ça? Non, mais... Meurs? Non mais... Allez, la petite mission, c'est quoi? Domaine médical, ok. On nous a pris nos réserves médicales. On va devoir fermer la clinique si on les retrouve pas. Je vais allumer une fusée pour que vous sachiez où les mettre. Ok. Battez la milice qui garde le matériel. En haut, tout en haut. Ok. On attend. Ils sont résistants, hein, les cocos. Mais genre, tu meurs pas. Allez. Ok, alors attendez. Hop là. Il faut le ramener où? Bon. Là, le truc il est résistant. Le truc il tombe, mais il casse pas. Allez, on va aller ramener ça. Nous sommes coursiers. C'est vrai, j'aurais pu le balancer, mais bon. Mais pas comme ça. Non. Vous avez sauvé beaucoup de vies aujourd'hui. Si vous êtes blessé, n'hésitez pas à venir. Ok. Voilà, nous avons fini. Cette petite mission secondaire. Bon, bah écoutez. Ce fut un petit épisode fort sympathique. On a un petit peu avancé. On a fait la connaissance de Bertrand.
Et donc on va essayer de trouver Wolf hein, la prochaine fois. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et puis bon, on se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 4 où on retrouvera Wolf peut-être. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye tout le monde.